Anti-augmentation. Cette fois, des patients qui se rendaient à la clinique. Avant que vous me posiez la question, non, votre miroir n'a pas été changé, monsieur Jensen. Vous êtes où, Jensen? Je n'ai pas toute la nuit. Bonjour, Pritchard. J'arrive à mon appartement. Bon, quand vous y serez, branchez le relais neural sur votre ordinateur. J'ai créé une ligne sécurisée et j'interviendrai à distance. Vous avez accès à mon ordinateur personnel? Qui a configuré vos systèmes de sécurité, d'après vous? Bienvenue, monsieur Jensen. Richard, le relais est branché. Je sais. Taisez-vous et laissez-moi me concentrer. Il me faut son nom, Pritchard, pas son patrimoine génétique. Il ne s'agit pas de son ADN, mais des données qu'il essayait de nous voler avant... Mon Dieu, Jensen. Votre pirate, il ne s'est pas suicidé. Je vous garantis que son cerveau s'est répandu sur le sol. Non, vous ne comprenez pas. Le disque chimio-organique dans cette puce, il permet à quelqu'un de pirater à distance. Ça veut dire que le porteur devient littéralement un proxy humain. Donc il ne travaillait pas seul. Quelqu'un piratait depuis l'extérieur. Exactement. Et ce mystérieux pirate a essayé de brouiller sa piste en utilisant plusieurs satellites. Mais je l'ai peut-être localisé, là. Un complexe industriel abandonné à Highland Park. Donnez-moi l'adresse, Pritchard. Avec un peu de chance, celui qui dirigeait le terroriste s'y trouve encore. Madame, ici David. Laissez-moi deviner. Vous m'envoyez à Highland Park. Pas tout de suite. Richard a trouvé comment ils ont pu infiltrer notre réseau. Il y a un signal permanent qui provient de Derelictro. En plein territoire des gangs? Notre ami se faisait passer pour un militant anti-augmentation. Et quelle meilleure cachette qu'au milieu des flambeurs de Derelictro. D'accord. J'y vais tout de suite. Et n'oubliez pas de passer voir le docteur Markovic.
je peux prendre... Moi, je soutiens ces manifestations. Amplib pousse à la consommation de médicaments. Quelqu'un s'enrichit pendant que nous autres, on souffre. Ah, Monsieur Jensen. David Sarif m'a prévenu de votre visite. Je viens justement d'étudier les résultats de vos tests de la semaine dernière. Je dois relever mes manches ? Bizarrement, non. Je ne vois aucune trace d'accroissement du tissu glial dans vos analyses. Ça fait 6 mois, Doc. Je devrais pas avoir des injections de neuroposine ? Si, en théorie. Mais ces analyses n'indiquent aucun signe de rejet des implants. La liaison entre le tissu organique et les électrodes semble même se renforcer. Alors, je peux y aller ? Eh bien... Monsieur Sarif m'a demandé d'aborder un autre sujet avec vous. Vous êtes au courant que, lors de votre première opération, certaines mesures de précaution ont dû être prises. Tous les implants n'ont pas été activés, je sais.
En fait, il a fallu tenir compte des dégâts causés par l'hématome. Votre cerveau avait besoin de temps pour guérir. Pour s'habituer aux neuroprocesseurs et les activer de manière autonome au fil du temps. Allez droit au but, Doc. Que veut Sarif ? Il pense que vous êtes sans doute prêt à accélérer leur activation. À l'aide de logiciels appelés kit de dynamisation. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'attendre que mes augmentations s'activent toutes seules ? C'est possible, si vous préférez. Mais Monsieur Sarif a fait une généreuse donation à l'Amplib en votre nom. En échange, vous pouvez disposer à tout moment des programmes de dynamisation liés à vos neuroamplificateurs. Tenez, jetez un coup d'œil. Très bien, Monsieur Jensen. Faites-en bon usage. Alors, vous avez changé d'avis ? Très bien, Monsieur Jensen. Faites-en bon usage. J'ai jamais été anesthésié de ma vie. C'est vrai qu'ils arrêtent votre cœur et qu'une machine respire à votre place ? Plus ou moins.
Je comprends que vous ne soyez pas rassuré, mais nous pratiquons ces opérations plusieurs fois. Manifester n'est pas un délit. Je le sais bien, mais parmi les manifestants, certains ont frappé une barre de fer et mettent le feu à des poubelles. Et ceux-là, nous les arrêtons. Les autres n'ont fait qu'exercer leur droit à la liberté d'expression. Madame, vous avez fini à la clinique ? Pour l'instant. Bien. Frank n'arrive pas à colmater la faille dans notre sécurité. Allez voir à Derelict Row et coupez le signal. Pourquoi tu m'as pris un client à Derelict Row ? Et si j'ai des emmerdes, hein ? Ici, c'est le territoire des flambeurs, enfoiré. Fais pas le malin ! Jensen. Qu'est-ce que vous voulez, Francis ? Vous savez pourquoi je vous contacte ?
Le signal qui ridiculise votre système de réseau ultra sécurisé. Ce truc laisse une backdoor ouverte dans notre réseau. Aucun de nous n'est en sécurité tant que vous n'aurez pas débranché l'antenne qui émet ce signal. Si ça peut vous faire plaisir. Rentre chez ta mère, enfoiré! On domine le territoire, mon pote. Grâce au gros, on a deux fois plus de... Ne mêle pas de sale, câblé. Dégage. Ne mêle pas de sale, câblé. Dégage.
J'aurais pas dû sortir. J'aurais pas dû sortir. Allez-vous-en. Laissez-moi tranquille. C'est ici, mec!
Très bien. Et c'est quoi ça?
J'entends des bruits de pas. News. C'est tout ce qu'on reçoit, depuis que ce type de pureté absolue est monté sur le toit et a trafiqué l'antenne. Le pote de Saunders ? Tu l'as laissé approcher de l'Hélice Station ? Il a dit qu'on aurait du porno. Et toi, tu l'as cru ? Non mais t'es trop con. Retour à Détroit, où un certain nombre de gens ont été interpellés ce soir à... Les patients qui se rendaient à la clinique. Eh, y a quelqu'un ? La Fondation Pro-Humanité avait obtenu l'autorisation pour sa manifestation en début de semaine. Mais la police a décidé de. De la prise d'otage de Sarif Industries. Il est à noter que quelques. J'aime pas ça. Il y a quelqu'un. Merde, tu sors d'où ?
Accès autorisé. Patron, est-ce que la backdoor est toujours ouverte? Non, bien joué. Frank m'a dit que c'était réglé. Alors maintenant, c'est le tour des salauds qui nous ont attaqués. Farida, vous êtes prête? Paré à décoller, patron. Jensen, tu me reçois? 5 sur 5. Reste près de l'antenne. Pritchard m'a envoyé les coordonnées. Je vais passer te prendre.